Vous regardez RTL. Là, je m'adresse aux pères de... Y a-t-il des pères de famille ce soir dans la salle? Non. Pères de famille. Bon, bonsoir monsieur. Y a-t-il des jeunes pères de famille? Non. Alors messieurs, je m'adresse à vous, en tout cas ceux qui nous écoutent à la radio en tout cas. Connaissez-vous cette angoisse de père qu'un jour votre fille, à peine majeure, vous ramène à la maison un naze? C'est un naze du style « Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux emmener votre fille au musée du Louvre voir une exposition sur la Mésopotamie du 3e millénaire avant Jésus-Christ ?» Non. Ou alors un naze dans un autre style. Monsieur, votre fille c'est une bombasse, je la kiffe trop, je la trouve son boule. Je peux l'emmener voir le concert de Booba ?» Non plus. Alors je vous dis ça parce que moi, il y a 6 mois, ma fille m'a ramené à la maison un type. Elle avait à peine 18 ans, enfin plutôt un prototype. Et donc, pour ne pas passer pour un vieux con, avec son type, je l'ai joué super cool, tu vois, pour que ma fille soit plus à l'aise. Donc ça a donné ça. Ding-dong ! Ah, bonjour ! Bonjour, jeune homme, vas-y, entre. N'aie pas peur, vas-y, entre. Je ne vais pas te manger. J'essaie de le mettre à l'aise, le mec, hein, on essaye quand même. Vas-y, entre, ouais, je t'en prie. Referme la porte. Bien, comment tu t'appelles? Kaiser. À tes souhaits. Dis-moi, Kaiser, tu veux boire quelque chose? Non? Ok, bah écoute, on t'attends ma fille. Bah, elle est en train de se préparer, elle se fait toute belle pour la petite soirée. Très bien. Excuse-moi, Kaiser, y a un truc qui te pend sous le nez, là, c'est quoi? Alors, je sais que c'est un piercing, j'avais remarqué, mais j'arrive pas bien à voir, c'est quoi? Une enclume. Et ça symbolise quoi? Le poids de la colère sous le joug du nihilisme. Tout ça dans l'enclume, d'accord. Super. Mais comment tu fais pour te moucher, vite? Enfin, quand tu éternues, comment ça se passe? C'est bien accroché? Ben heureusement, parce qu'un retour d'enclume lancé à 200 km/h, achoum, pouf, je veux dire, t'as tout le poids du nihilisme sur le... Non, mais je rigole. MDR, PTDR, LOL, yo. Yeah. On essaie d'être à l'aise, hein. Excuse-moi, Kaiser, tu t'es cogné? Non, parce que tu as 2 bosses sur le front, là. C'est pas des bosses, c'est des boulons. Mais comment ça tient, ça? C'est vissé sous le crâne. D'accord, ok. Mais c'est des boulons spéciaux, tu trouves ça où? En promo chez Bricorama. D'accord. Ok. Mais alors, pour la visite médicale, tu vas chez Noroto ou chez Spilly? Non, mais je rigole. LOL, MDR, PTD... Putain, le monstre. Là, je regarde ton tatouage. Oui, ton tatouage sur l'avant-bras, là. Non, il est bucolique, ton tatouage. Non, je disais, il est bucolique. Non, laisse tomber, il est joli, ton tatouage. C'est quoi? C'est une petite maison avec des arbres autour, avec des champs? C'est la petite maison dans la prairie? Non, c'est la prison de Meaux. Ouais, ok. D'accord. Non, excuse-moi, je suis pas très fan des tatouages. Non, je trouve que ça vieillit mal. Oui, c'est pas... par exemple, moi j'ai ma tante, quand elle était plus jeune, elle s'est fait faire un joli petit tatouage ici en haut de la cuisse, là, un dauphin. Bah, aujourd'hui, c'est un cachalot. Non, pas ma tante. Quoique... Excuse-moi, Casimir, pardon. Kaiser, ça siffle un peu quand tu parles. T'as un cheveu sur la langue, un piercing... Mais t'as la langue coupée en deux? T'es bilingue? Je rigole. LOL, MDR, PTD. Mais pourquoi tu fais... Tu aimes les serpents, c'est ta passion? Ah d'accord. Oui, chacun son truc. Moi, je respecte. Pardon? Moi, ma passion, c'est le golf. Mais par passion, je me ferai pas percer 18 trous. Hein. No way! You! PTDR, putain de merde. De sa race, de putain de... Sinon, tu vas l'emmener où, ma fille, ce soir? Je sais pas, un petit dîner en amoureux, un petit cinéma... Non? Vous allez où? Dans une rêve satanique. Où ça? Dans un crématorium. C'est nerveux. Je sais pas pourquoi, mais je sens que votre soirée, elle va être mortelle. Passez à Légitimus!